Pas du tout, parce que je pense que je suis à contre-jour. Mais c'est pas grave, vous voyez qui est avec moi juste là. Jamais très loin quand il y a quelque chose à manger dans le coin. Aujourd'hui, on est dimanche et j'avais envie de vous tourner une vidéo très simple, de vous prendre avec moi dans un vrai dimanche. Une journée chill, une journée un peu reset de la maison, reset de moi-même. Parce que là, je pense que vous le voyez, mais je viens de me réveiller et donc j'en ai besoin. Et le dimanche, c'est un peu la dernière journée avant la reprise. C'est un peu la journée où on se repose, mais où en même temps, on a plein de trucs à faire avant le début de la semaine. Et du coup, je voulais vous embarquer avec moi aujourd'hui pour qu'on passe cette petite journée ensemble. Et cette journée commence avec un petit brunch parce que le dimanche je me mets pas de réveil, alors je me réveille pas très tard parce que comme je me lève hyper tôt toute la semaine, mon corps est habitué donc je me lève pas très tard. Mais je prends le temps, je vais promener Albus, on a pris le temps ce matin ensemble, on est parti se promener et on est parti faire des courses pour que je cuisine un brunch parce que j'avais trop envie d'un petit brunch ce matin. Donc je me suis fait un petit avocat de toast avec de la feta et j'ai rajouté une petite tranche de plantes d'Inde, un petit kiwi, un café latte et j'ai fait des brioches perdues. Donc vous voyez, elles sont trop belles, des petites brioches caramélisées. Et donc je vais manger ça devant un petit truc sur mon ordi. Albus à manger et bien sûr tu auras un petit bout de blanc d'Inde, tu le sais. J'aime bien le week-end à chaque fois, dès que je me réveille, aller le promener au saut du lit et lui donner à manger, etc. Comme ça, je sais que c'est fait et que je suis tranquille et que après j'ai le temps de me poser vraiment avec un petit déj, etc. Et puis il a attendu toute la nuit pour aller faire ses besoins, donc j'ai pas envie de le faire attendre jusqu'à ce que j'ai terminé mon brunch. Je préfère faire ça avant. Donc là, c'est fait. Donc je vais manger ça devant une petite vidéo. Et après, on est parti pour la journée, quoi. Un petit dimanche ensemble. Et je commence toujours ma journée avec un petit kiwi. Je sors de la douche. Pause. Ce que vous voyez dans le fond, c'est un mannequin pour apprendre les prises de lutte pour le sport de combat. Ça appartient à Enzo, c'est pas à moi, mais je voulais vous faire un petit mot parce que c'est vrai que ça paraît bizarre, alors pensez pas que c'est un truc chelou. Je vous jure que c'est vraiment un truc pour le sport à Enzo. Voilà, bonne vidéo. Je me suis maquillée, je me suis fait une tête parce que là, vous l'avez vu ce matin, mais c'était quand même quelque chose. Je vais juste me coiffer vite fait. J'ai plus de produits pour les cheveux. Moi, désolée, c'est Albus qui boit derrière. Lui, il trouve toujours son moment. J'ai plus de produits pour les cheveux. Donc, je vais me faire des tresses, comme ça ira vite. Parce qu'après, j'aimerais vous tourner une vidéo. Bon, je vais attendre qu'il ait terminé. C'est bon ? Tourner ma vidéo. Donc je disais que je vais vous tourner une vidéo après, donc je me suis fait un peu une tête. Je vais tourner les favoris du mois d'octobre. Voilà. À l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, j'ai déjà sorti la vidéo favori du mois d'octobre. Donc si vous l'avez pas vue, je la mets en barre d'infos et dans le petit i là. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais juste lancer une lessive avant de tourner ma vidéo, comme ça après je pourrai l'étendre. Et on a du taf les gars, parce que sachez que je pense qu'on est tous pareils. J'ai un peu laissé l'appart à l'abandon cette semaine parce que j'étais très occupée. Et du coup là aujourd'hui, il y a beaucoup de ménage à faire. Je pense qu'on est tous pareils, mais il y a des semaines je fais au fur et à mesure, je prends le temps et tout. Et il y a des semaines où vraiment pas du tout. Alors attendez, je me suis emmêlé les pinceaux dans ma tresse. Et il y a des semaines où pas du tout. Et où à la fin de la semaine, bah il n'y a plus de couverts, il n'y a plus d'assiettes, il n'y a plus de verre. Il faut tout nettoyer. Et aujourd'hui, c'est une journée comme ça. Donc moins fun. Mais il faut que ce soit fait. Et quand c'est fait, c'est toujours ultra satisfaisant. Donc là, j'ai à peu près l'intégralité de ma vaisselle à nettoyer. Je peux vous dire qu'un des critères de l'appart, quand on va déménager, ça sera un lave-vaisselle.
ça je peux vous l'assurer. Ou en tout cas si on n'a pas une arrivée d'eau pour qu'on achète un lave-vaisselle. Parce que j'ai jamais eu de lave-vaisselle dans mes appartes depuis que je suis indépendante. Et je peux vous dire que 10 ans de vaisselle à la main, je commence à en avoir à ras-le-bol. Donc, prochain appart, j'espère qu'il y aura un truc pour mettre un lave-vaisselle. Parce que franchement, ça va me faire plaisir, je vais pas vous mentir. Et voilà, donc après tout ce petit ménage, on ira promener le bus ensemble. J'ai bien envie d'aller chercher ce soir un petit truc un peu réconfortant pour le dessert. Donc c'est pas impossible que je passe, vous savez, dans la boulangerie que j'adore. Je vous l'ai souvent montré en vidéo. Donc je pense que je vais passer là-bas tout à l'heure. Je vais aller promener Albus et je passerai à la boulangerie. Bon, le seul truc qui est chiant, c'est que je peux pas rentrer avec Albus. Mais comme la dame a l'habitude, à chaque fois qu'elle me voit, elle vient me demander et je lui donne l'espèce et elle met l'espèce dans la machine parce que c'est les machines automatiques. Et avec Albus, on attend comme ça dehors en mode cyber sage. Parce qu'il y a les bars là devant les commerces et tout où vous pouvez attacher la laisse de votre chien. Mais j'ai pas confiance. J'aime pas ça. Est-ce que vous le faites? Vous voyez plein de maîtres le faire à chaque fois que je vais faire les courses dans les commerces et tout. Bon, la plupart des commerces, vous pouvez rentrer avec votre chien, hein, genre les petits Carrefour Market et tout. Je rentre toujours avec Albus. Je demande toujours, évidemment, là, parce que la politesse, c'est quand même la base. À chaque fois, en rentrant, je demande directement à une personne qui travaille là, est-ce que ça vous dérange si je rentre avec mon chien? Et s'ils me disent non, bah, je rentre pas. Voilà. Quand je suis avec un pote ou Enzo, je lui demande de tenir Albus le temps que je rentre. Mais si je suis toute seule, et que la personne préfère pas que je rentre dans le commerce, bah, je rentre pas. Et voilà, tout simplement. Mais la plupart du temps, on me dit oui. Il y a que quelques endroits, c'est rare qu'on me dise non pour que j'entre avec Albus. Et quand c'est pas le cas, je préfère ne pas le laisser tout seul. Parce que je suis pas à l'aise. La semaine dernière, c'est marrant qu'on en parle parce que la semaine dernière, j'ai laissé un monsieur tenir Albus en laisse pendant que j'étais partie acheter un truc. C'était vraiment une épreuve pour moi parce que j'étais pas à l'aise quoi. J'étais en mode putain, là il peut partir avec Albus. Il peut partir avec ou le lâcher ou je sais pas. J'étais pas à l'aise, j'aime pas. Quand je connais pas et tout. Mais le monsieur était vraiment adorable et je savais très bien qu'il allait avoir aucun problème. Il était avec ses amis, sa famille, ses enfants et tout. Les enfants étaient avec Albus, enfin c'était top, il n'y avait pas de problème. Mais c'était vraiment une épreuve pour moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de le laisser attacher devant un commerce, ça, je ne veux pas. C'est mort, j'y arrive pas. Et voilà, est-ce que vous le faites? Dites-moi. Est-ce que vous le faites? Et si oui, est-ce que vous avez déjà eu un problème ou pas? Parce que dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va s'arrêter, genre qui va tirer le frein à main, qui va prendre Albus et qui va se barrer. Je sais que c'est pas vrai, mais si vous avez un animal, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'un jour j'essaierai. Mais pour l'instant, je ne suis pas à cette étape. Enfin de ranger tout le linge. Là j'avais genre 2-3 machines que j'avais mis genre en boule dans un coin de la chambre en attendant de les ranger parce que je n'avais pas pris le temps de faire ça. Donc à chaque fois je regrette. Je pense que tout le monde fait ça mais à chaque fois on attend le dernier moment et je regrette parce qu'après j'ai 46 000 trucs à ranger. Bref, au moins c'est fait. J'ai fini tout ce qui est vaisselle et rangement dans la chambre. J'ai lancé une lessive donc là je vais aller l'étendre. Je me suis fait un smoothie vu que j'ai mangé ce matin un petit brunch. Bon là j'ai terminé mais je me suis fait un smoothie banane beurre de cacahuète, cacao cru quoi, c'était bon. Et du coup je vais aller étendre le linge, nettoyer un peu la salle de bain et tout. Je vais pas tarder à me mettre en route pour aller promener le petit Albus. Comme je vous l'ai dit, je vais passer dans une boulangerie que j'adore et où je vais souvent pour prendre un petit dessert pour ce soir parce que je pense que je vais essayer de cuisiner un truc un peu réconfortant et tout machin pour ce soir. Donc je pense que je vais passer faire une petite course aussi après parce que ce matin j'ai juste été faire une petite course pour mon petit brunch. Mais ce soir j'ai prévu aussi de me faire tous des soins, je vais faire une full skincare parce que là ma peau en a besoin parce que vous voyez j'ai plein de boutons. J'étais malade il y a pas longtemps et du coup je pense que mon corps il a rejeté
toute la maladie. Puis même avec là le temps et tout, il n'y a plus un brin de soleil dans le nord aujourd'hui, il pleut, etc, etc. Et du coup, je pense que ma peau a pris un peu cher, donc j'ai plein de cicatrices de boutons et tout. En rentrant de la balade, je vais me faire gommage, masque, skincare et tout. Donc voilà, j'ai trop hâte, je suis claquée. Comme tous les dimanches, mais ça va. Et puis au moins, je me dis que quand je me réveille demain matin, je serai trop contente de voir l'appart clean, quoi. On a beau dire ce qu'on veut, ça change quand même tout. Et surtout de pouvoir passer une petite soirée chill ce soir. Petit plat réconfortant, petit dessert. J'ai envie d'un petit gâteau au chocolat ou je sais pas, un truc comme ça. Donc je vais voir ce qu'il y a à la boulangerie. Là, je vais aller nettoyer la salle de bain pendant que la machine se termine. Et ensuite, je vais éteindre le linge. Trop fun! Regardez, je me suis fait une énorme tache sur mon pull que je suis incapable de manger comme une adulte de 27 ans. Et que du coup, j'ai renversé 10 smoothies au chocolat sur mon pull. Je suis ravie. Vraiment ravie. On va étendre le linge. Regardez le nouvel étendoir à linge de l'espace qu'on a avec Enzo. On peut mettre 46 000 trucs dessus, ce qui est très pratique. Parce qu'avant, on avait le petit qui est là. Et du coup, maintenant, on a celui-là en plus. Et ça nous fait gagner un temps fou sur les machines. On va pas se mentir. Parce que comme on a gardé le petit, on peut faire beaucoup de machines. Du coup, vu qu'on a un stabart, ça prend énormément de place. Mais on peut pas tout avoir. Pardon, je vous mets un petit coup. On prend un petit coup et on est parti. Je vais peut-être pas vous montrer mes slips. Je ferai mes slips en dernier. Fini ça, je vous tourne la vidéo et je vais promener Albus. Faire les petites courses que je dois faire, etc. Et voilà quoi. Trop contente parce que je vous ai sorti pas mal de vidéos. Au mois d'octobre, je vous ai sorti beaucoup de vidéos dans le mood de l'automne, etc. Et là, je suis très contente parce qu'on est en novembre et qui dit novembre dit Noël. C'est pas vous, mais mentalement, une fois qu'on a passé la période d'Halloween, le prochain step c'est Noël. Moi, la fin d'année, c'est toujours ma période préférée. Je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais je suis pas une summer girl. Moi, je suis très mood automne-hiver, cocooning, Angleterre, coin du feu, etc. C'est plus ma vibe. Pas très summer girl. Après, je me suis posé une question la dernière fois. C'est que j'ai jamais vraiment trop eu l'occasion de partir en vacances en été. J'ai jamais vraiment trop eu l'occasion de partir en vacances quand j'étais petite. Genre, j'ai jamais été grave à la mer et tout. On partait pas en vacances réellement, quoi, quand j'étais petite. Donc, est-ce que c'est pour ça que je suis pas une summer girl? Genre, est-ce que c'est pas parce que aussi j'ai jamais vraiment fait un vrai été, que je suis pas du tout dans ce monde-là et que je préfère la fin d'année? Je ne sais pas, c'est possible, peut-être que un jour je me ferai des bêtes de vacances en été en mode voyage, summer, maillot de bain, les cocktails et tout, et que je vous dirai que je suis pas du tout une meuf de l'automne hiver finalement. Je sais pas. En tout cas, là ça va être bientôt les fêtes et j'ai trop hâte. La dernière semaine de novembre, fin du mois, je vous annonce un petit truc que je prépare depuis la rentrée et que je vais continuer à préparer là pendant ce mois de novembre. Certains d'entre vous, je pense, l'ont deviné. Donc si jamais vous avez des petites idées, je pense que vous en doutez si je vous parle du mois de décembre, si je vous parle de Noël, si je vous parle de YouTube. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais fin novembre, je vous sors une petite annonce pour vous parler de ce petit projet que je prépare depuis cette rentrée. Donc j'ai trop hâte de savoir ce que vous allez en penser. J'espère que vous allez kiffer. Ça m'a demandé beaucoup d'organes pour le mois d'octobre. Et c'est surtout là en novembre, décembre que ça va me demander beaucoup d'organisation. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous allez kiffer. De toute façon, je vous sors très vite la vidéo qui en parle. Fin novembre, je vous sors ça. Abonnez-vous et commentez cette vidéo parce que déjà ça m'aide beaucoup dans l'algorithme. Vraiment, sachez que le fait de commenter, de vous abonner, etc., ça soutient beaucoup les petites chaînes et tout. Donc n'hésitez pas à le faire parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je sais pas si vous me voyez, on voit vraiment mon crâne. En tout cas, il y a plein de chouettes trucs qui arrivent, donc j'ai trop hâte.
Est-ce que ça c'est pas trop pratique? C'est trop pratique. Vous savez c'est quoi mon rêve de grande personne? C'est d'avoir une machine lavande séchante. Ah les gars, on vit. La meuf ne pense qu'à une chose, c'est d'avoir un lave-vaisselle et une machine laveuse sécheuse. En attendant, je continue à attacher mes chaussettes à ce petit étendoir à chaussettes. Jusqu'au jour où j'aurai les thunes de m'acheter un bolide du nettoyage. Et je peux vous dire que quand ce jour va arriver, ça va chier, je vais me faire plaisir. Hein. Je vous le dis. J'achèterai le dernier truc high-tech, méga programmation de séchage, machin. Je claquerai le billet comme ça et j'étendrai plus jamais mon linge. J'ai trop hâte des fêtes là. Commencer là à avoir des idées de cadeaux. Beaucoup de choses que je dois fabriquer moi-même. Alors je voulais savoir si ça vous intéresse que je vous en fasse une vidéo. Mais en fait, niveau logistique, je sais pas comment la sortir. Si je la sors, j'ai peur de la sortir avant Noël et qu'il soit spoil parce que même si je leur dis de pas regarder, je pense que par curiosité, ils vont regarder. Mais est-ce que ça vous intéresse si je vous sors quand même la vidéo mais après Noël? Mais vu que Noël sera passé, je sais pas si ça peut quand même vous intéresser ou pas. Donc dites-moi ça dans les commentaires, comme ça je le sais et je peux vous tourner ça parce que je vais commencer à faire ça ce mois-ci là. Donc n'hésitez pas à me dire, comme ça je peux savoir. Et si ça vous intéresse, je vous filmerai la vidéo, je vous montrerai tout ce que j'ai fabriqué. Et franchement, il y a des trucs qui vont être trop cool et trop drôles. Donc pour ceux qui ont suivi les vidéos du diplôme, vous avez normalement la ref. Mais je les ai eu mes petites chaussettes Vans, je les ai eu. Les vrais savent. Écoutez, j'ai fini d'accrocher mes petites chaussettes et là je dois accrocher mes slips. Donc je vais couper là. Parce qu'on est proche mais quand même quoi. Et je vous retrouve tout à l'heure. Je pense que je vous prendrai vite fait pendant la balade avec Albus. Parce qu'en plus là, comme c'est encore l'automne et tout, il y a vraiment une petite ambiance et tout. Donc je pense que je vous prendrai. Et dans tous les cas, je vous montrerai ce que j'ai acheté à la boulangerie pâtisserie où on va. Et voilà quoi. On se retrouve tout à l'heure dans tous les cas. Je suis rentrée de la balade bien plus tard dans la soirée. J'ai pas pu aller à Le Sage finalement. Le Sage c'est la boulangerie où on adore aller promener Albus et après aller là-bas parce qu'elle est vraiment incroyable. Il y en a plusieurs dans le nord, il y en a trois je crois. Et vraiment elle est incroyablement bonne. Enfin tout ce qu'ils font c'est incroyable. Mais je vous la montrerai dans un autre vlog, pas d'inquiétude. Là il y a des endroits où je devais passer et ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc on a été promener Albus et après on a fait tout le reste qu'on devait faire là pour cette fin de journée. Je suis désolée parce que à cause de la lumière, la caméra grésille. Pardon. Ah ouais, mais comment on va faire? Parce que je voulais trop vous filmer ma skincare et tout. Je voulais me faire des masques. J'essaie de trouver une solution. Est-ce que c'est mieux ou pas? J'ai rajouté une ring light. Je pense qu'on est pas mal. Ah ouais, je suis trop contente. J'ai trouvé une solution pour plus qu'il y ait les barres sur l'écran quand je vous filme dans la salle de bain. Donc je vous disais, on avait trop de trucs à faire. Donc on n'a pas le temps de passer à Le Sage. Mais pas d'inquiétude parce que comme je vais aller faire des courses, j'ai quand même des petits trucs genre dessert et tout. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vais juste faire un chignon. Ceux qui ont des cheveux bouclés dans les commentaires, j'ai envie de m'acheter un bonnet de soie. Ma sœur, elle en a un, mais elle a pas les cheveux aussi bouclés que moi. Donc si jamais vous avez les cheveux bouclés, est-ce que ça marche ou pas? Parce que vraiment, ça fait la diff. Parce que moi, j'attache mes cheveux tous les soirs. Sinon, ça les abîme trop. Et j'ai trop envie de m'acheter un bonnet de soie. Et dites-moi aussi où est-ce que vous les avez achetés. Parce que j'aimerais bien quand même investir dans un bonnet en bonne qualité. Histoire d'avoir un truc qui tient dans le temps. Donc dites-moi ça. Je mets mon pull de pyjama et je vous montre ce que j'ai pris en dessert. C'est bon, j'ai changé de pull. C'est à Enzo, c'est pas moi. Et il est trop confortable, il est incroyable. Donc j'adore le mettre. Pour le dessert, j'ai été faire des petites courses. Passé très vite fait Intermarché, ça allait fermer et tout parce que j'avais pas trop le temps, il y avait que ça dans les environs. Et j'ai pris ça. C'est les beignets qu'il y en a dans tous les magasins. Mais à chaque fois, il y a genre chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Et je sais pas vous, nous, on se dispute tout le temps pour avoir ceux au chocolat blanc parce que c'est les meilleurs. Et j'en ai trouvé que au chocolat blanc. Donc ils sont tous au chocolat blanc. Donc je suis trop contente. Alors j'achète rarement, très rarement ce genre de truc. Parce que c'est hyper... Oh, ça sent trop bon. Parce que c'est hyper chimique et industriel. En réalité, on croirait dans les vidéos que je mange souvent des trucs genre industriels, chimiques et tout. Mais c'est parce que je vous les tourne et je vous les montre. Il faut savoir que dans le mois, c'est hyper rare que je mange des trucs comme ça. Le seul truc que j'aime bien, c'est les fast-food. Et pareil, on fait pas ça tous les jours. On s'en accorde maximum un le week-end de temps en temps. Et voilà quoi. On adore ça. On va pas se mentir. Donc, je vous montre ce que j'ai pris. Crème à l'avocat que j'utilise. Ça
c'est le produit que j'utilise pour mes boucles. C'est mon indispensable, le secret pour mes cheveux de sirène. Et j'avais plus de gel douche parce que Enzo et moi, on n'utilise pas le même genre de gel douche. Donc on a chacun nos gels douche. Et moi, j'ai terminé le mien, qui est mon gel douche préféré au monde. C'est le Cottage à la fleur d'orange. Vraiment, ce gel douche, c'est toute ma vie. C'est mon gel douche préféré. Et en fait, j'avais acheté celui-ci il y a un bail pour tester. C'est un naturellement voilé. J'avais même pris la grande bouteille pour acheter que des recharges. Et en fait, je déteste. Donc là, il me reste vraiment un fond que j'essaye dès que j'ai plus de gel douche d'utiliser pour dire de le finir, mais je galère parce que j'aime pas du tout. Enzo, je vais vous montrer les gel douches. Bon, celui-là est vide, c'est pour ça qu'il a racheté celui-ci, mais ça c'est au chamallow et ça c'est au dragibus. Donc vous voyez, entre dragibus et chamallow et fleur d'oranger, voilà. Et là, je voulais acheter un gel douche réconfortant et tout. Je n'achète jamais cette senteur, jamais parce que ça m'écœure vite, mais je sais pas, j'avais envie d'un truc moins floral parce que moi les odeurs que je mets c'est surtout des odeurs florales parce que j'ai l'impression que ça sent propre et j'achète très rarement des odeurs sucrées parce que j'aime pas ça, mais là je sais pas, j'avais envie que dans ma salle de bain ça sente le réconfort et tout. Donc j'ai pris le Dope de nos régions à la vanille. J'achète jamais de trucs à la vanille parce que c'est pas du tout une odeur que j'apprécie dans les cosmétiques parce que je trouve que ça sent vite mauvais, mais je sais pas, j'avais envie de ça, genre je suis passée, j'ai senti et je me suis dit allez let's go, j'ai senti et ça m'a eu, c'est assez frais et tout. Et en plus les Dope, ils sont pas hyper dégueu en termes de formulation, donc j'ai pris ça pour moi et je suis très contente. Donc bref, là maintenant que c'est fait et que je vous ai fait un petit débrief, je vais pouvoir faire mes soins parce qu'il faut quand même que je me dépêche. Là Enzo est en train de préparer à manger. Je voulais faire, comme je vous ai dit, un truc réconfortant et tout, mais les dimanches un peu reset et tout, c'est aussi ça, hein, c'est aussi des imprévus. Je devais passer voir des proches et tout, et ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Vous connaissez, quand vous allez voir les proches, ça dure toujours un peu plus longtemps que prévu. Et du coup, on a pris du retard sur la soirée, donc on change le programme du repas de ce soir. Et c'est pas grave. À chaque fois que je fais mes soins, j'utilise une serviette comme ça et je les mets à laver. Je les lave pas tous les jours. Là, comme je vais faire la totale, genre masquer tout, je vais la mettre au lavage. Mais sinon, j'utilise deux comme ça par semaine. Et donc, c'est une serviette que j'utilise que pour mon visage. Et tous les trois jours, je change de serviette. Donc voilà. Et sinon, quand je fais les gros soins, genre masquer tout, je la change direct parce que sinon, il y a des résidus de masque dessus. Donc, je vais me démaquiller et on va se faire le petit masque du dimanche soir. En plus, comme Lenzo cuisine, je suis tranquille. Est-ce que quand vous faites des massages du visage, vous arrivez à profiter comme quand c'est quelqu'un d'autre? Parce que moi non, j'ai l'impression que quand je me fais des papouilles ça me fait rien, par contre quand c'est les autres qui m'en font, j'adore. Est-ce que vous arrivez à profiter? Les massages du visage ça va un peu, ça fait quand même du bien, mais sinon le reste franchement ça me fait rien du tout. Dites-moi vous ce que vous faites pendant vos dimanches un peu reset, un peu cocooning on va dire sur la fin et tout. Je trouve que dimanche, il y a plein de gens qui détestent le dimanche. Bah, c'est le dernier jour avant la reprise du boulot, quoi. Mais moi, c'est pas le jour que j'aime le moins. Elle est bien, cette fille démaquillante, mais elle laisse les yeux troubles. Moi, mon jour préféré de la semaine, c'est soit le lundi, parce que du coup, c'est le début de la semaine, donc en mode motivation et tout. C'est pas moi qui ai fait ce bruit, hein. C'est le gommage, je vous promets. Soit le vendredi, parce que c'est la fin de la semaine et c'est le début du week-end. Et pour rincer, quand je fais des soins, j'aime bien ne pas passer mon visage dans l'eau, mais je vais vous montrer ce que je fais. Je mets l'eau de mon robinet très chaude, je trempe ma serviette dedans, c'est pour ça aussi que je vous ai dit je la garde pas après et je la mets au lavage direct. Je trempe ma serviette dedans, ma petite serviette là, tac, avec de l'eau très très chaude, j'essore bien et après je mets sur mon visage et je laisse un peu poser avant de tout essuyer. Et ça, c'est la relaxation ultime. C'est Enzo qui fait à manger ce soir. Et on voulait un truc réconfortant. Du coup, il va faire des frites maison au air fryer. Vous savez, les frites un peu à l'ancienne, là. Avec du poulet à la crème. Ça, ça va être incroyable. Ça va être trop, trop bien. Et là, ça va être le moment fun pour vous et horrible pour moi. C'est-à-dire les sourcils. Allez, c'est parti. Lui a fait mal, lui. Les petits, c'est les pires. Foiré là. Regardez-le là, cet enfoiré. Petit poil là. On rince tout. C'est trop bien ce masque. C'est le masque Milk and Peel.
de Hervorian. C'est parti de mon top 3 des masques parce qu'il fait vraiment une peau de ouf quoi. Donc là, je mets ma serviette et je profite de l'instant présent. Et il fait une peau de ouf. Je sais pas comment vous dire, mais il fait vraiment une peau genre de bébé, quoi. Bon, là, je suis claquée, donc on dirait pas, mais je vous jure qu'il fait une peau de ouf. J'ai terminé mes petits masques. Je vais faire ma petite skincare routine et après, je vais vous laisser pour profiter de mon dimanche soir avant cette semaine qui s'annonce vraiment intense. Donc, j'utilise le petit spray Dermalogica et je vais mettre mon sérum avant que ma peau absorbe tout. Mon sérum, bon là, j'en ai plus, donc je l'ai coupé en deux, mais c'est le La Roche-Posay comme ça. Petite astuce de rat, quand vous avez plus de sérum, coupez-le en deux parce que regardez tout le sérum qui me reste à l'intérieur. Il en reste la blinde. Le Effaclar Duo. Hop. Je pense que d'ici 2-3 jours, j'en aurai plus, mais au moins j'aurais pu l'utiliser encore une petite semaine, ce qui n'est pas rien. C'est un sérum un peu crème et tout, que franchement j'aime beaucoup. Une petite crème hydratante de chez Sanoflore. Mais j'en mets très peu parce que je vais vous montrer, mais j'en mets une deuxième. Donc je vais surtout la mettre sur le haut de mon visage. Bon, d'habitude je me prends pas la tête, hein. Je vais pas vous mentir. Je fais ça depuis une semaine parce qu'en fait j'ai une énorme poussée de boutons qui a engendré... beaucoup de cicatrices d'acné. 27 ans et toujours de l'acné. Un vrai plaisir. J'avais arrêté de mettre des crèmes réparatrices parce que c'est très gras, donc j'en mets pas tous les jours. Mais quand j'ai des périodes comme ça de poussée de boutons sur le bas de mon visage, j'utilise le soir uniquement de la Cicalfate. Et là j'en ai plus, mais j'ai celle-ci qui est une crème réparatrice de la marque Aderma. Et franchement, elle est très efficace. En fait, c'est le genre de crème qui est très grasse et très épaisse. Et c'est vraiment des crèmes cicatrisantes. Vous voyez, c'est des crèmes comme ça, vraiment très épaisse et tout. C'est vraiment comme la Cicalfate et j'en mets vraiment sur en fait mes cicatrices de boutons quoi, et j'en mets que le soir et ça fait trop du bien à ma peau. Ça aide vraiment à réparer les taches d'acné et tout. Je vois vraiment une différence dans ces périodes là quand j'en mets ou pas, et ce qui marche hyper bien aussi sur moi en tout cas, c'est la vaseline. Donc voilà. Mais il faut vraiment que les boutons soient soignés, vous voyez, parce que quand ils sont enflammés, si vous mettez ça, c'est hyper gras, ça va servir à rien. C'est vraiment réparateur pour quand les boutons sont partis et où c'est vraiment des taches quoi. Et le reste, comme d'hab, je le mets sur mes mains. Et voilà, fraîche pampante. Je vais aller manger mes petits beignets au chocolat blanc, mon petit poulet pommes de terre. Si ça c'est pas un repas d'automne de dimanche soir les gars. J'espère que cette petite vidéo dimanche cocooning, posée, etc. vous a plu. J'ai adoré la faire, donc si jamais vous avez envie que j'en fasse d'autres, je peux vous en faire, même des autres jours de la semaine, genre le lundi qui est archi productif, le mardi, le vendredi, enfin peu importe. Ou si vous voulez une autre vidéo dimanche cocooning, je peux vous la faire avec plaisir. Et j'ai hâte que vous voyez tout ce qui arrive fin du mois. Franchement, j'ai vraiment trop hâte. Si jamais c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je sors 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc abonnez-vous pour ne rien louper. Et comme d'habitude, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous !